une centaine de kilomètres de Timimoun, au cœur du grand erg occidental, Suqsar, Aramaqabli, Atalmin. Une forteresse grenier sur le point d'être sauvée grâce à l'engagement et à la solidarité. Lui, c'est le Hajj Abdelkader Ma'zouz, l'un des héritiers de cet haram. Il n'est pas urbaniste, il n'a pas fait d'études, mais il est conscient de l'importance de préserver ce patrimoine qu'il tente de sauver depuis 2002. Et puis un jour, une porte s'ouvre sur le Capter, le centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre. عند كابتي لقيتهم يديروا حيط ويعاود يهدموه ومن بعد يديروا لي سطاج فيها يعاود يبنوه. قلت لهم ودي علاه ما نديروش راي انا عندي وين تبنوا تخلوه لي. قال لي كيفاش؟ قلت له ودي انا عندي خصر راه مهجور وكذا كل شيء نتاع عيون نتاع عماليه وقاعد انتم خدموا خلوا لي خدمتكم وانا نتكلف بيكم. خممت انا يا جريت من جاب ربي هاد الناس وسمعوا لي ورانا زعما نجحوه ماذا بينا باش يكون يزيدوا يعاونونا على خاطر احنا فيهم منظر سياحي. السياحه زعما اقتصاديه فيها المنفعه للجميع وفيها معلم تاريخي. بدينا شويه تصنيف باش يبقى من معالم تاريخيه لانه عامل تراث. كانوا فيه الناس كانت فيه مقاومه. كان جدي الله يرحمه هو قائد مقاومه كان مع الشيخ بوعمامه. مي كي كيديره بتخليه يضيع. الله يجيب الخير. سمحوا لي عباد هي اللي عليا وخلاص وصيه وانا وصلتكم الرساله وراهي بين يديكم حاولوا عليها وخلاص. L'émotion de Hajj Abdelkader Ma'zouz n'a d'égal que la motivation de ces jeunes bénévoles venus de toute l'Algérie. Achor Lima de Boumerdès. Laïsani Cheyma, Alger. Mohamed de Bgayet. Kourcha Sid Ahmed, Vilaya de Moscou. Salam, c'est Fadé de Tamsal. Younsi Zakaria, Wilay de Jelfa. C'est Rayak Asma d'Alger. C'est Sarah Kubour de Tizi Ouzo. Saïd Mohamdi, Gardaya. أم هاني متي ميمون نيري ماليا بليدا مصطفى إبراهيم طلمي عبد الرحمن دوتي ميمون نصوري محمد طالجي حمديس أمل مديا منير تمكيت دو شخشال La parité est respectée par le capter qui en a fait la sélection et qui encadre ce chantier participatif. 9 filles, 9 garçons, complètement engagés. On a répondu à un appel de la Zawiya de Hajj, Hamdoul Hajj de Tlemcen, qui a voulu conserver son patrimoine, donc son haram. Haram, le mot, c'est un mot de Zenet, qui signifie forteresse. Cet haram de Tlemcen, c'est une forteresse grenier. Elle contient 10 mosquées et tous les dispositifs de militaire de défense. Donc on a les remparts, les tours de garde, un fossé, les traces de fossé, des meurtrières et une entrée seule et principale. Donc les quatre anciennes sessions, on a fait
la réhabilitation et la conservation des murailles les murailles de la forteresse. تقريبا نقولوا باللي الجزء الكبير من الاشغال تم احنا كنا مبرمجين صيانه اغام القبلي صيانه تاعو اللي هي صيانه الجدران صيانه الابراج ولكن قلنا نزيدوا المسجد لان الوضعيه نتاعو وضعيه للاسف كانت شويه متدهوره على بها احنا زدناها في المره هذه on fait la réhabilitation pour garder la mosquée en fonction c'est-à-dire bon même aux gens pour les encourager pour faire ce genre de travail de réhabilitation et de sauvegarde du patrimoine. En fait, le but du chantier participatif, c'est d'encourager les gens, même les jeunes de partout de notre vaste pays, pour élaborer ou bien pour valoriser l'aspect de Tuiza qui est déjà en cours de disparition. Les gens là, ils sont trop motivés. C'est-à-dire, déjà pendant 3 jours, on est devenu comme une famille. Ils traînent un peu le matin, mais bon. Sur ce chantier de 8 jours, la discipline est primordiale. Les tâches sont fixées selon un mode de roulement. La motivation est perceptible. On s'aide les uns les autres et c'est parti. Une chaîne humaine se forme, le travail peut commencer. Alors, on est en train de désabler la mosquée d'abord. Voilà, pour commencer les travaux de restauration. Oui. Voilà, donc on a des travaux au niveau de la toiture et au niveau des murs aussi. Et c'est la première fois que vous participez à ce genre d'action ? Ah oui. Voilà, c'est la première fois. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé ? Je suis étudiante en 3e année, doctorat, à l'université d'architecture à Moscou. Donc, je travaille sur le patrimoine, la préservation du patrimoine culturel. Donc, l'architecture en terre, ça fait partie de mathématiques de recherche. Et la valorisation du patrimoine aussi, c'est de mon devoir en tant qu'architecte et de chercheuse. Ana عندي بزاف راني مهتم بالموضوع تاع التراث بصفه عامه. حبيت نشارك في هذا الدور اول شيء باش نعرف التقنيات وكل ما يتعلق بهذا الامر. واهم شيء في الموضوع اني حبيت نشارك بفيلم اللي يحكي على هذا الورشه باش نقدر نفوت الميساج للناس بطريقتي الخاصه. Désabler l'intérieur de la mosquée, la tâche est longue et pénible. La fatigue finit par gagner les plus motivés, mais Hichem est là pour remotiver la troupe et ça repart dans la bonne humeur. Thank you. 11 heures, une pause méritée de quelques minutes à l'ombre des palmiers. Et puis retour au travail, cette fois-ci pour préparer l'argile. نتبادلوا الخبرات في كيفية استعمال الطين مي
ولا الجير كما هذه الخطرة الجير عطاونا معلومة الجير إلا كنخلطو فيها إلا كنخلطو فيها شجرة دفلة باش ما تاكلهاش حاجة حنا نعيطو لها التونيا باش هذاك الحطب تاع الجامع ما يرشاش هذه خديناها من مجموعة الكابتير pour cet événement, c'est très intéressant de travailler avec une matière noble qui est peine. Et pour une cause noble, on est en train de restaurer une mosquée ici à Tanmil. C'était une opportunité à ne pas rater. Et comme je suis architecte spécialisée dans la construction durable, alors je m'intéresse vraiment à ça. Pour la construction en matière éco-responsable, on peut dire ici en Algérie, pour une construction moderne, on ajoute, on en appelle ça des adjuvants pour ramener celui à la résistance à ce matériau qui est un petit peu fragile. Il présente beaucoup d'avantages par rapport à ses inconvénients. D'ailleurs, c'est une matière qui se trouve partout, gratuitement. Et il faut construire avec l'environnement. Ici, à Tanmil ou à Timimon, on a la terre abondante. Pourquoi ramener du béton, des constructions qui ne sont pas adaptées à cet environnement qui est aussi un petit peu. Le mélange du sable et de la chaux, qu'on laisse reposer 24 heures, sera transporté grâce à cette chaîne formée par les bénévoles de l'extérieur de la rame jusqu'à la mosquée, qui se trouve au cœur de la forteresse. Une équipe est déjà sur le toit, prête à commencer la restauration sous la supervision des architectes du Capter. Les techniques ancestrales sont respectées, une manière de faire revivre ces anciens savoir-faire locaux. Tout le monde met la main à la pâte. Je trouve que c'est la meilleure manière et façon d'apprendre. On apprend ici les différentes manières, enfin les différentes techniques de construction avec les matériaux locaux. C'est des matériaux écologiques, donc c'est une architecture vernaculaire prometteuse. Ça peut être des solutions pour les problèmes contemporains comme l'effet de serre, etc. Donc je trouve que c'est un savoir-faire qu'on devrait protéger. L'architecture de terre associée à la durabilité et au design, le concept semble faire l'unanimité chez ces jeunes. Des matériaux naturels, ces adobes, vont aller conforter et orner la toiture de la vieille mosquée. Pour un aspect esthétique, mais aussi pour leur caractère ami de la santé de l'homme. Se réapproprier ce mode de construction aux avantages multiples dont une économie en énergie est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Ça a des avantages sur le plan économique, écologique et aussi sur le plan esthétique. Donc ça fait partie de notre identité. Donc c'est l'identité algérienne qu'il faut préserver. Madame Bina, nous savons que le bâtiment de Tarab existe.
ولابس به ويعيش وكونفورتابل ولاباس وما يضرش الصحة تاع بنادم. ماذا بينا الناس تفهم هذا الشيء ودير ثقة في البنيان تاع التراب. حنا باسكو جينيرالمون كي نقولوا البنيان تاع التراب شخط كاع يخافوا يقول لك واش راك دواسي بالك ما يعيش بالك يطيح. مي لا لا البنيان تاع التراب يعيش وسوليد وعاش دي سيكل وكاين بليزيور اكزومبل في الجزائر ولا كاع في الموند. Pour ce natif de la région, ce chantier de restauration est une aubaine. Lui, qui est sur un projet de maison d'hôte. عندي غير على التراث نتاعي و التراث لو كان صونو نخلوه هاك تسمى ما درنا والو. لازم نحاولوا نرجعوا سياحيا على عليها. عندي ان بروجي نتاع ميزون دوت تقليديه ماذا بيا تبنى بوسائل محليه طين الحجره الخشب عماره طينيه عماره اقتصاديه حاجه الاولى ما نستحقش دراهم كبار. لاني شارك هنا مع الكابتور كاش ما نستفاد كاش ما ندي كاش ما نتعلم مارك لاني ولد منطقه وكبرت في الطين خدمت في الطين بصح وما مازال نتعلم. خلاص مليح اعطيني زين شويه العالم تقريبا الهندسه المعماريه اليوم دخلنا في مرحله ما يسمى بالتنميه المستدامه وهي العماره المستدامه. العماره المستدامه من بين شروطها واساسياتها استعمال المواد المحليه. امر اخر بالنسبه للتراث يراعي شروط كذلك التنميه المستدامه من حيث الاضاءه الطبيعيه من حيث التهوئه ومن حيث توزيع الفراغات. التراث هو ما يشجع السياحه. هناك تكامل وتناسق وانسجام بين السياحه والتراث. Pour vivre en harmonie avec son milieu, Omhani a une idée claire de sa future maison personnelle. انا ماذا بيا نبنيها بالطين بطريقه عصريه كيما نورمال كيما الطين. هي دروك هذه الطين اللي راها قدامنا كيما الشتاء فيها الدفا نورمال وكيما الصيف بارده وكيما دروك الطين العصريه. هي صح ماهيش كيما الطين هذه القديمه اللي رانا نبنو بها بصح يعني التقنيات نفسها نورمال ما تختلفش. انا ماذا بيا يكون مطين عصري وكذا يعني حتى كي يشوف شوفي سبحان الله كيما الطين تراب حاجه كي تقعدي فيها ترتاحي نفسيا مغالمو. انا تاني ماذا بيا بالحق هاد العادات والتقاليد ما يزولوش يقعدوا لينا والاجيال كي يعني متوارثه بيناتنا. محمد منصوري a une opinion qui semble de prime abord différente de celle d'Omhani. Mais à bien l'écouter, pas tout à fait en fait. Cette affaire a été bâti dans un lieu baroque avec des techniques qui existaient à l'époque. Et si les mêmes habitants qui existaient à cette époque, les habitants qui sont construits sur Sarla, s'ils étaient vivants aujourd'hui, ils auraient utilisé des techniques nouvelles. Ils n'auraient pas utilisé la terre. C'est pas dommage à votre avis? Non, je trouve pas que c'est dommage parce que les habitants qui ont construit l'Arsarhada, ils ont utilisé la terre, ils ont utilisé des techniques qui n'existaient pas avant eux. Et si on leur pose la question, est-ce que c'était dommage de construire avec de la terre et de ne pas avec de la pierre par exemple ou du bois? Et peut-être parce que ces architectures de pierre sont adaptées à ces régions-là. Parce que ça a beaucoup d'avantages aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça s'adapte à la région, mais non seulement la région seulement, et à l'époque aussi. Une inspiration de l'histoire, elle est nécessaire, elle est indispensable. On ne peut pas négliger tout ce qui a été fait avant et recommencer à zéro. Ce n'est pas quelque chose qui va nous aider du tout. Apprendre de l'histoire, s'inspirer des techniques, ensuite adapter ces techniques à l'époque actuelle. Ces jeunes bénévoles vivent avec leur temps, mais restent très attachés à l'histoire. Pour la passion du patrimoine, de ces architectures de terre, Sarah n'a pas hésité à faire un long trajet
pour prendre part à ce chantier. C'était une aventure. C'était environ 21 heures de bus. Mais bon, je viens de Tizi, donc j'ai pris le bus 19h le vendredi. Je suis arrivée à 13h le samedi. Donc c'était une belle aventure parce que c'est ma première fois ici au désert, au Sahara. Ma première fois à Timimoun. Donc c'était long, mais c'était beau. La question du patrimoine me touche beaucoup. Ça m'intéresse parce que je viens aussi d'une région où ça commence à disparaître. Les constructions anciennes commencent à disparaître. Donc ça me tient à cœur de préserver tout ce qu'on a comme patrimoine. On a un peu sympathisé trop vite parce qu'on est tous, on est des jeunes, on vient de différentes wilayas d'Algérie, ce qui est bien. Mais on s'est senti rapidement chez nous parce que déjà l'accueil qu'on nous a réservé était trop chaleureux. Donc les gens d'ici ils sont magnifiques, ils sont accueillants et tout. Et puis tous les jeunes de différents profils et tout, donc on a pu échanger et s'adapter rapidement. Aujourd'hui c'est le quatrième jour que je suis là. Dans le chantier, c'est vraiment intéressant ce qu'on est en train de faire. On a fait des connaissances pas seulement côté professionnel, mais aussi côté social. Autant que je suis architecte en patrimoine, je me sens que je suis responsable pour sensibiliser les gens à protéger ou bien garder toujours l'authenticité de notre culture et de notre histoire. C'est une très bonne expérience, c'est une découverte. Avoir la possibilité de rencontrer des gens de des régions différentes et de parler et de partager la même passion, la passion du patrimoine, c'est quelque chose de très spécial. Le fait d'avoir plusieurs avis, plusieurs idées et cet échange culturel entre que ça soit architecte ou il y a même des médecins entre nous, mais on a tous un point en commun, c'est justement cette passion de préserver, de réhabiliter, et d'avoir un amour aussi fort pour le patrimoine de notre pays. Le patrimoine, ça a été toujours ma passion. C'est vraiment un truc dont je suis passionnée et motivée. En sortant d'ici ou là, en rentrant chez nous, voilà, j'ai laissé ma touche, j'ai apporté quelque chose où j'ai pu contribuer justement à la conservation et la réhabilitation de ce patrimoine. Ce qui m'a motivée, c'est le but général de ce chantier participatif et solidaire. Qui a pour but de promouvoir et de sensibiliser les architectures en terre et ses techniques qui sont malheureusement méconnues par la majorité des Algériens à cause de la standardisation architecturale universelle qui a induit en quelque sorte une dévalorisation patrimoniale des architectures traditionnelles, y compris les architectures de terre. Les habitants de la région, les adeptes de la Zawiya de Sidi Ahmed Welhadj de Talmin, sont très impliqués. Une manière d'exprimer leur attachement à cet héritage local. Nous remercions les gens qui sont venus de toutes les pays pour nous aider à préserver la tarikh de la منطقة et التراث de la منطقة. رانا هنا ماشي غير باش نحافظوا على المسجد تاع تلمين المسجد العتيق من تراث المنطقة ونحافظوا على تراث المنطقه بصفه عامه. انا طالب احمد خدام في البلديه عامل مهني. كي نكمل الخدمه نجي نعاون هاد اصحاب الكابتير. علاش؟ باسكو بقينا ماذا بينا تحيه التراث، ماذا بينا هذا القصر قاعد يتطور ان شاء الله. réhabiliter l'image des architectures de terre, sensibiliser pour préserver ce patrimoine sont parmi les missions du CAPTER. Un établissement public rattaché au ministère de la Culture et des Arts.
Le siège du centre est un joyau de l'architecture de terre, classé monument historique. Bâti il y a plus d'un siècle, ce bel ouvrage de type néo-soudanais, sculpté de motifs géométriques berbères zénètes, témoin d'un savoir-faire ancestral du Gourara. Le but du centre, c'est de faire la sensibilisation et la promotion des architectes de terre. C'est pour, on a des publics de tout genre. On a des ateliers dédiés aux architectes, des ingénieurs, des archéologues, des professionnels de l'architecture et la construction en général. Et aussi pour les enfants, parce que c'est l'avenir de tout ce patrimoine. Donc on fait des ateliers aussi dédiés aux enfants, des ateliers dédiés aux étudiants dans les universités. On accueille souvent des étudiants de l'EPO, de l'ESTO. Donc ils viennent ici pour faire des initiations sur les techniques de construction en terre. Ils aussi ont fait des campagnes de sensibilisation ailleurs pour le grand public. Un travail pédagogique mais aussi d'encadrement technique, comme sur le chantier d'Ara Maqabli, où après 8 jours, l'objectif a été largement atteint. Les jeunes bénévoles repartent avec le sentiment d'avoir appris quelque chose, d'avoir accompli quelque chose. Au Cap-Terre, on pense déjà au prochain chantier. Pour El-Hajj Abdelkader Ma'azouz, le rêve commence à se concrétiser. Il saura aussi bien recevoir d'autres bénévoles dans sa modeste et chaleureuse maison. Thank you.